Bonjour, comment voir les étoiles dans l'espace sans être embêté par l'atmosphère? La réponse, c'est en utilisant un miroir, mais un miroir un peu spécial, vous allez voir. Le cauchemar principal des astronomes sur Terre, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, elle brouille complètement les images qui viennent de l'espace. Mais un jour, les physiciens ont trouvé une façon d'enlever l'atmosphère. Et c'est ce qu'on appelle l'optique adaptative. Premier truc, vous allez regarder un objet précis dans l'espace qui va vous servir de témoin. Alors l'idéal, c'est de le fabriquer vous-même, cet objet, donc vous balancez un gros rayon laser dans l'espace, hein, comme ça, là. Il rebondit un peu sur les couches supérieures de l'atmosphère et vous fait un petit point rouge. Alors vous récupérez ce spot lumineux là sur un ordinateur et vous faites calculer à l'ordinateur comment il faudrait corriger les trajets de la lumière pour que ce spot un peu baveux devienne un petit point. Il calcule et il vous dit, bah voilà, tel rayon, il faudrait aller faire ça, tel rayon ça, tel rayon ça. Et là arrive le miroir. Vous prenez un miroir, mais au lieu de le laisser tout plat comme ça, vous le déformez. Et vous allez le déformer exactement comme il faut pour qu'il crée la correction qu'a calculée l'ordinateur. Alors avec un miroir comme ça, vous n'avez aucune chance. Il faut des miroirs déformables hyper technologiques qui permettent vraiment d'adopter la forme que vous avez envie au millimètre près. Ensuite, vous récupérez cette image sur votre télescope et vos images toutes pourries de l'espace, comme celle-là par exemple, deviennent ça. Alors évidemment, il faut faire tout ça en direct et en permanence changer la forme du miroir en fonction des perturbations de l'atmosphère. Et le truc incroyable, c'est qu'on a utilisé la même technique sur nous-mêmes pour regarder le fond de notre œil. On a pu obtenir des images du fond de l'œil absolument magnifiques, par exemple celle-ci, où chacun des petits points que vous voyez, c'est les cônes qui nous permettent de repérer les couleurs autour de nous. Bonne journée!